En politique, les militants du mouvement patriotique du salut ont eu des échanges autour du thème le MPS face aux défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. C'était à Massaguette, dans le Wadi Arlamis. Pour la circonstance, une forte délégation conduite par le secrétaire général régional du MPS de Wadi Arlamis, Abakar Moussa Kalé, a fait le déplacement de Massaguette. Falambi Soulgan. Cette rencontre entre les militants et militantes du département de Haraz al-Biar et le conseil régional du mouvement patriotique du salut de la région de Hadjar Lamis vise à communiquer avec les militants sur des thématiques, entre autres, les défis politiques, le social, l'économie et la sécurité. Les différents intervenants qui se sont relayés ont expliqué au public que face à la crise économique qui traverse le monde en général et le Tchad en particulier, le mouvement patriotique du salut, en tant qu'organisation politique responsable, doit informer et sensibiliser ses militants face aux défis de l'heure. C'est pour la première fois dans l'histoire du MPS, le président fondateur a reçu les 23 SG régionaux sur lesquels il nous a prodigué des conseils, des orientations. Les militants saluent l'initiative du secrétariat général régional du mouvement patriotique du salut de la région de Hadjar Lamis. Abakar Moussa Kalé, secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut de la région de Hadjar Lamis, exhorte ses camarades à vulgariser le message. Pas seulement le Tchad, c'est tout le monde qui vit maintenant la crise économique. C'est d'abord croire à l'ambition du président d'abord. Il a toujours des ambitions pour le Tchad, un pays qui va être toujours émergent. Et je lance aux militants, c'est d'expliquer au niveau de leur sous-préfecture, au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des périphériques. C'est les quatre thèmes précités. Ce séminaire politique sur le thème « Le mouvement patriotique du salut face aux défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires » a vu la participation des autorités traditionnelles de la région. Par rapport à quelques sujets d'actualité, le parti Union pour revitaliser la justice et la parité au Tchad s'est prononcé à travers un point de presse. Je vous invite à suivre son secrétaire général. Le parti Union pour revitaliser la justice et la parité au Tchad félicite le peuple tchadien pour la nouvelle exploitation du pétrole de Sidigui, ce qui témoigne des grands efforts déployés par son Excellence, le président de la République Idriss Déby Itno. Concernant les sommets de la CEMAC, le parti soutient les mesures prises par les chefs d'État membres de la CEMAC, mesures qui consistent à faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Enfin, le parti apprécie les efforts déployés par la première dame Hinde Déby Itno pour tous ses actes de bienfaisance à l'endroit des élèves, des orphelins et des personnes nécessiteuses. Le parti lance un appel aux organisations humanitaires à suivre l'exemple de la première dame pour aider les pauvres et les personnes démunies.